Bonjour, lundi 27, 8h20, je quitte le couvent du Malais, où j'ai passé une super nuit reposante. L'accueil était super aussi. Là, je traverse le petit jardin pour récupérer le... Pour récupérer le chemin et je vais en route vers Estin. Bon, le temps est très couvert, mais a priori, il ne devrait pas trop pleuvoir, sauf avant d'arriver à Estin, donc en début d'après-midi. Un petit tour dans le village. On trouvera bien où aller après. L'église avec une charpente spéciale, le clocher est en charpente brouillée. Bon ben voilà, première fois où je le sors, la pluie commence, donc on va couvrir le tout, au cas où, même si c'est pas fort pour l'instant. Allez, en route. Bon, trop fort, il suffit de s'emmerder à le mettre pour que la pluie s'arrête. Bon, je vais le garder quand même. Est vraiment rude, ça donne pas bien à la vidéo sans doute, mais elle est raide. Ah. Joli point de vue sur la vallée du Lot. Avec au fond là-bas, le clocher de Saint-Comdot.
d'où je suis parti ce matin. Ça monte trop. Du coup, ils ont installé des marches à côté. Voilà, première grosse montée, a priori terminée. À propos de plat et de montée, juste après là, vous allez voir le. Alors, je résume le tracé que j'ai fait depuis le départ du puits. Je mettrai aussi l'étape d'aujourd'hui et le dénivelé. Sur la vallée du Lot. Même si les fils électriques gâchent un peu le paysage, c'est très très joli. J'ai quand même des doutes sur l'historicité de ce trajet par où on passe depuis ce matin. À mon avis, au Moyen-Âge, les pèlerins n'étaient pas fous. Hein. Pour aller de Saint-Comdot à Espalion-Estin, ils longeaient la vallée du Lot. Ça m'étonnerait qu'ils soient montés par où on en fait monter maintenant. Allez, maintenant ça descend. Mais quand même, ce trajet vaut le coup parce qu'on voit Saint-Comdot au bout d'où je suis parti ce matin. Toute la vallée du Lot, mais vraiment toute la vallée du Lot. Et on voit Espalion au loin. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ce sont des groseilles. Bon, je pense vraiment que c'était des groseilles, mais dans le doute, je n'ai pas goûté. C'est pas la peine de tenter le diable et de se retrouver malade.
Arrivé à Espalion. Il est 11h. Bon, 11h30, petite pause. Là, cette fois-ci, je ne vais pas manger que des graines comme hier. Je repartirai tout à l'heure. Il va sans doute avoir la pluie. Ce matin, il n'y a pas eu de pluie, mais là, il va sans doute avoir la pluie. Donc, je me suis mis là. Si jamais il pleut pendant que je mange, je peux aller me mettre à l'abri là. Et puis, je suis à côté du Lot et il y a, c'est sympathique. Zut, il commence à pleuvoir. Alors, je me suis rapatrié sous une espèce de préau qui était à côté. Et puis, je vais continuer à manger. Bon, comme prévu, redémarrage sous la pluie. Donc, je vais sortir beaucoup moins le téléphone. Je vais avancer. Et puis, voilà. Alors, l'église de Bessé-Joule a une particularité, c'est qu'elle a une chapelle aérienne, donc je vais aller voir ça. Alors, il paraît que c'est tellement étroit pour y monter qu'on est obligé de laisser les sacs en bas, sinon on ne passe pas par l'escalier. Donc je vais aller voir ça de suite.
Je vous emmène dans la... peut-être la lumière. Chapelle haute, dédiée à l'archange Saint-Michel. Et les marches sont pas du tout régulières, c'est pas de plafond, c'est super étroit. Je vais mettre de l'autre côté. Ah bah là, ça me met une flash. Voilà la chapelle haute. On va faire comme ça. On peut vraiment pas passer avec un sac. Mes épaules touchent les murs. Il pleut toujours autant, voire même ça s'est un peu accentué. Je me sens un peu comme une tortue. Bon, d'une part parce que j'avance pas vite, là ça monte. Mais surtout avec le poncho. Bah, finalement on est pas mal sous le poncho. On entend les gouttes qui tombent sur la capuche. On sait que tout est sec dedans. Toute ma maison est au sec, tout mon sac à dos. Donc finalement, il y a quelque chose de presque réconfortant à être là-dessous. Un peu comme, oui, voilà, une carapace de tortue. Bon, en tout cas, ça ne mine pas le moral. Il a beau pleuvoir. La nature est belle quand même. Point d'eau et église. Je suppose que le point d'eau, c'est ça. Il faut passer là. Bon, ben on va passer là. Hein. Un peu technique quand même. Il faut filer, hein.
vers les noisetiers. Ouais, c'est des noisettes. Moi, je sais pas, c'est beau. Bon, ça égaye un peu le parcours parce que depuis tout à l'heure, c'est pas top top. Tiens, voilà. Là où j'étais tout à l'heure. Petit abri pour pèlerins fatigués. Je suppose que c'est la dernière montée à Oristin, mais punaise, elle est coriace celle-là. Un kilomètre 5. Bon bah, allons. Et voilà. Arrivé à destination pour aujourd'hui, le village d'Estaing sur le Lot. On est encore dans l'Aubrac, hein, on est dans le parc régional de l'Aubrac. Ce soir.